Bonjour chers auditeurs de la radio Tongosa, je suis Clémence, nous sommes aujourd'hui au pavillon Dauphine et nous sommes venus pour un événement organisé par l'ambassadeur de l'Indonésie. Je suis aujourd'hui en compagnie de Magloire. Bonjour Magloire. Ravi d'être là. Nous sommes ravis de vous rencontrer ici, mais vous portez des vêtements originaux. Curieux pour moi, c'est sûr. Je porte le vêtement traditionnel d'Indonésie, donc je porte le tali tali, ici oui. Le bandeau, et le hulos. Qui est du nord de l'Indonésie. Donc voilà, j'essaie de faire honneur à nos personnes et surtout à son Excellence l'ambassadeur d'Indonésie ici à Paris en portant le vêtement traditionnel. Alors retenez, hein, le tali tali et le hulos. Voilà, maintenant on peut y aller. Merci. Vous avez des liens particuliers avec l'Indonésie peut-être ? J'ai un lien particulier avec l'Indonésie et ce lien, il s'appelle Charlotte. C'est une créatrice d'immense talent. Charlotte Sen, c'est une jeune femme qui, en Indonésie, à Bali très exactement, a lancé il y a 5 ans sa marque d'accessoires, sa marque de sacs. Alors aujourd'hui, je ne sors jamais sans mon Charlotte. Bientôt, vous aussi, vous ne sortirez jamais sans votre Charlotte. Seulement le sac, hein, pas la créatrice. Elle est déjà occupée. Voilà. Donc voilà. Voilà mon lien avec l'Indonésie. Merci. Vous pouvez nous présenter cette marque ? Alors, pour vous présenter la marque, je dois vous présenter la créatrice. D'accord. On est ici dans une garden party à l'invitation de son Excellence l'ambassadeur. Donc, on est tranquille. Charlotte, je vais lui demander de venir. Charlotte, come. Parce que quand on rend... Voilà, vous voyez, la créatrice est absolument magnifique. Et c'est elle qui, à Bali, dessine tout ça et crée tous ces sacs. Alors, que vous dire de cette marque ? Il suffit de la regarder. Il suffit de voir ne serait-ce qu'un de ces sacs. Ce sont des sacs en chèvre, qui sont des sacs absolument sublimes, divinement finis. Voilà pour vous, mesdames. Donc voilà, c'est des petites merveilles. Voilà, ce sont des merveilles, c'est des, je dirais, des precious bags. Et donc, moi, j'avais envie de faire la promotion, de travailler et de m'associer avec Charlotte et ses precious bags. Voilà. Comment est-ce que vous avez rencontré cette marque, cette créatrice ? Alors, je suis obligé de vous raconter sa vie privée, peut-être, mais on va dire... pudiquement qu'elle a des attaches en France et que si vous voulez la croiser en ce moment, elle est du côté du 12e arrondissement à l'US. L'US, c'est une brasserie. D'accord. Qui est au 32 rue de Lyon. Voilà. D'accord. Donc elle a aussi une attache. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, vous aurez compris. Voilà. Bien sûr. Et pour parler de vous, vous avez d'autres projets après l'ambassade d'Indonésie Alors pour parler de la marque et de moi, effectivement, nous serons en Indonésie parce que Charlotte travaille avec beaucoup de créateurs et de designers là-bas en Indonésie, dont on fera la promotion peut-être en mars. D'autres projets, oui, je viens de terminer un film autour de Michael Youn, sur les grands moments de télévision de Michael Youn. D'autres projets, oui, travailler avec Charlotte, continuer un peu de télévision. Et quelques peut-être autres marques dont je ferai la promotion, notamment vers la Chine, voilà. D'accord, et là, avoir tous vos projets, vous devez avoir un emploi du temps de dingue. Comment vous faites pour gérer toutes ces obligations ? Le fiancé de Charlotte me dit, Magloire, vous avez trop de choses à gérer. Mais si je n'avais pas tout ça à gérer, je ne vivrais pas. Alors vive la vie. Je vous remercie. Vous avez un conseil à donner à nos auditeurs qui souhaiteraient se lancer ? Mon conseil... pour ceux qui ont mis un petit peu de sous, mais quoi que c'est accessible, allez vite voir le site de Charlotte et achetez un sac. Mon autre conseil, c'est vive la vie, elle est très courte. Plein de bonnes choses. Merci beaucoup Magloire pour le temps que vous nous avez accordé et pour la présentation du produit Charlotte. Je vous conseille d'aller voir justement leur site internet. Et puis vous avez la carte voilà, que vous allez pouvoir visualiser. Comme ça, au moins, vous pourrez visualiser. Voilà. Si ça, c'est pas de la promo, hein. Merci beaucoup, chers auditeurs. C'était Clémence de Radio Tongosa au pavillon Dauphine pour l'événement autour de l'Indonésie.